Salut, moi c'est Charlie, je suis américain, and today we're gonna watch Paul Taylor. La première question que les Français ils ont pour moi, c'est Paul, comment ça se fait que tu parles si bien français? Parce que pour un Anglais, en général, les Anglais, quand vous parlez français, vous parlez comme des grosses couilles. Et c'est vrai. C'est vrai que les Anglais, normalement, on est là. Ouais, bonsoir, bonsoir, comment ça va? Vu l'ai vu coucher, enchanté! Dans cet ordre-là, en plus. Donc, je comprends la question, je comprends. Alors, coucher avec quelqu'un, c'est bon à savoir. Hein. C'est... Pourquoi les gens, ils se posent la question sur mon accent? Mais je suis vraiment britannique, 100% britannique. Ma mère, elle est irlandaise du côté nord. Mon père, il est anglais. Je suis né là-bas, donc je suis 100% alcoolique. C'est juste que j'ai eu la chance de vivre en France pendant 5 ans quand j'étais tout petit. Et quand on est tout petit, on est un peu une éponge au niveau de l'accent. Donc du coup, j'ai pas trop d'accent quand je parle français, mais je fais énormément de fautes. C'est vrai, il a un super accent, hein. C'est cool. Parce que la langue française, c'est une langue de merde. Que même vous, les Français, vous savez pas parler correctement. Parce que je vous vois entre vous, vous corrigez. Ça, c'est incroyable. Ok, vous corrigez. Quand t'es étranger et tu vois un Français qui ouvre un email d'un autre Français qui fait « Oh, il a pas bien conjugué le verbe, il sait pas parler français, lui !» Il sait pas parler français. Si la langue, elle est compliquée pour vous, pour nous, elle est impossible à maîtriser à 100%. Donc, je fais des fautes, je continue à faire des fautes. Non, mais c'est vrai, la langue française est hyper compliquée. Et même les Français, ils font des erreurs parfois. C'est normal, hein. Mais des fautes de base. Je fais pas les mêmes fautes que vous, les francophones. Moi, je fais des fautes de base. Des fautes d'anglophones, en fait. Mais les fautes d'anglophones sans l'accent anglophone, ça passe pas du tout. Ok, ça passe pas. Ça passe pas. Ou sinon, on peut dire aussi, ça passe. Ah ouais, ça passe. Et je me suis rendu compte que les Français, quand je fais des fautes de base avec cet accent-là, vous pensez pas que je suis anglais qui parle très bien français. Vous, vous pensez que je suis français, mais con. Ah, j'adore ce mot. Con. Con. C'est pas gentil, mais enfin, it's very French. J'ai dit ça tout le temps. Ah ouais, t'es con. C'est un con. Alors, vous pouvez dire ça à un ami, par exemple, et ça passe. Ok, ouais, c'est marrant. Ok. Mais si on dit ça à un inconnu, dans la rue par exemple, c'est pas très gentil et on peut avoir des problèmes. Attention. Et je vois la tête des gens devant moi qui bug, ils savent pas, ils sont là, je comprends, Buggy, like to bug, like, on peut dire ça pour un ordi par exemple, ah mon ordi bug, ça bug, vous voyez. Ils savent pas pourquoi je fais des fautes sans accent. La première fois que j'ai vu quelqu'un bugger devant moi, c'était dans une boulangerie où je suis rentré, j'ai dit « Bonjour madame, je vais prendre une baguette, deux pains au chocolat et une croissance s'il vous plaît. » F*** you. Ouais, parce que la femme, elle a bugué, elle a rigolé, elle a fait « Une croissance, Geneviève, viens par là, il y a un teubé et on va se moquer de lui. Une croissance. » C'est... Donc là, je suis passé pour un con, je voulais pas, j'ai essayé. Je suis passé pour un con. Ouais, encore une fois, ouais, c'est marrant. On peut dire aussi, ah, c'est con, c'est trop con, c'est con. Mais attention, don't say that in French class, ok? J'ai essayé d'expliquer ma situation, j'ai essayé de dire, non, en fait, c'est parce que je suis anglais, mais j'ai vécu en France quand j'étais tout petit, et quand on est petit, on est une éponge au niveau de l'accent. Là, elle s'en foutait complètement. Elle était là, ouais, c'est ça. Elle s'en foutait. Ça se dit tout le temps en français. Par exemple, je m'en fous, tu t'en fous, il, elle, on s'en fout. Nous, ça se dit pas vraiment à l'oral, alors c'est pas grave. Vous vous en foutez et ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Et à l'imparfait, je m'en foutais, tu t'en foutais, ils, elles, on s'en foutait, vous vous en foutiez, ils ou elles s'en foutaient. Voilà, j'espère que ça vous aide. Hein. C'est vulgaire, mais ça se dit souvent en français, ok? C'est ça, une croissance. Donc j'ai repris un faux accent. J'ai juste dit « Oh, désolé, en fait, c'est parce que je ne viens pas d'ici. C'est pour ça que mon français, c'est de la merde. Désolé, je viens pas d'ici. Désolé. En fait, je viens de la Belgique. C'est pour ça que mon français, c'est de la merde. Désolé. » Alors, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Évidemment, c'est vulgaire. C'est important. Enfin, ça se dit aussi souvent. Oh, bah ça s'explique. Tiens, ta croissant. Un chouquette avec ceci. Donc je passe pour un con. Ça m'arrive quasiment tous les jours, mais ça fait 9 ans maintenant que j'habite en France. Et j'assume le fait de passer pour un con. J'ai arrêté d'expliquer la situation. Ça me dérange plus. J'assume. Par contre, ma femme française... Ah, j'adore ce mot. Assumer. Assumer.
Like, it means to like live your truth, to accept it. C'est un peu comme ça. J'assume. Elle assume pas du tout. C'est elle maintenant qui se sent obligée d'intervenir et expliquer mon histoire quand moi je passe pour un con. Parce que si je passe pour un con, bah elle passe pour quelqu'un qui a marié un con. Et ça, c'est pas possible. Et on était dans un magasin de bricolage pour faire des travaux dans l'appartement et je connaissais pas à l'époque le mot carrelage. Faire des travaux. Faire des travaux. Ah ouais, ils font des travaux. Ils font des travaux. Dans la rue, par exemple. Ils font des travaux. Le mot carrelage, j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire parce que quand j'étais petit en France, j'avais jamais eu besoin d'utiliser le mot carrelage. Donc je connaissais pas ce mot-là. On était là avec le vendeur dans le magasin de bricolage qui dit « Oui, pour le carrelage dans la cuisine, est-ce que vous savez ce que vous voulez comme motif ?» Moi j'ai répondu « Bah c'est une très bonne question monsieur. Qu'est-ce que c'est le carrelage ?» Non. Non, non. Le mec il bug devant... Ma femme, elle fait « Non, 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 c'est pas ce que vous pensez. C'est pas un con, en fait, j'ai pas marié un con. En fait, lui, c'est un Anglais qui a vécu en France quand il était petit. Et quand on est petit, on est une éponge au niveau de l'accent, d'accord ? C'est pas un con, t'es pas un con, t'es... dis-lui que t'es anglais, Paul. Non, moi, je suis français, mais je suis con. Voilà, j'assume. Bon, c'est pas mal. Voilà, j'espère que ça vous aide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hey, if you like the video and you want more help with your conversational French, check out our free e-course at StreetFrench.org.